Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Kevin et aujourd'hui on va vous présenter un véhicule. On va vous présenter le Fond Vendôme Autocamp XL. Donc le Fond Vendôme Autocamp XL est un van à toit relevable sur porteur Renault. Donc certains l'auront tout de suite remarqué, le Renault Trafic 2 litres 145 chevaux pour ce modèle là. Donc à l'extérieur, au final ça ressemble quand même beaucoup à un Trafic standard. Mis à part que celui-ci a la peinture métal avec ce coloris un peu sable gris sable. Sur la partie extérieure droite, donc la porte coulissante, on va voir à l'intérieur ce que ça nous réserve par la suite. Le branchement de la prise électrique qui nous signifie, c'est la seule petite différence avec l'autre côté, on va voir, qui nous permet de voir que c'est un van aménagé. Et notre toit relevable. Le hayon arrière. Pareil, on l'ouvrira dans un second temps. Et côté gauche, du coup, l'échappement du chauffage. Donc là, on remarque que c'est un Truma, que c'est les mêmes que les camping-cars au final. Donc c'est un chauffage chauffe-eau qui fonctionne au gasoil. Et mon remplissage d'eau. Donc vraiment sur l'extérieur, voilà, on reste sur un Trafic standard avec quelques petits accessoires extérieurs. Tadam ! Sésame, ouvre-toi. Donc là, on est à l'arrière du van. On va détailler tout à l'heure par la suite exactement tous les éléments. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplier le toit pour pouvoir se donner de l'espace à l'intérieur. Donc pour déplier le toit, tout simplement, sur les nouveaux modèles de chez Fond Vendôme, on est sur un toit électrique. Donc j'ai uniquement un bouton à presser. Donc je presse le bouton et mon toit se déplie. C'est aussi simple que ça. Tiens, mon toit est déjà déplié. J'ai même pas forcé. Pas une goutte de transpiration. Donc toit électrique, et pour ceux qui se demandent, qui se disent, ah tiens, si c'est électrique, si ça tombe en panne, si j'ai plus de batterie, etc. Je rentre pas de vacances déjà, parce qu'on a la solution. Si jamais ma batterie cellule est faible, parce que j'ai trop consommé, il suffit de démarrer le moteur, les deux batteries vont s'accoupler ensemble, et à ce moment-là, je pourrai monter et baisser mon lit grâce à mon moteur tournant. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Allez, venez. On va à l'intérieur. Waouh! Donc à l'intérieur, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce van, dans cet Autocamp XL? Donc, déjà, banquette face à face. Donc celui-ci, on n'est pas sur un système de siège à l'avant qui pivote. Hein. On a vraiment une banquette face à face. A savoir que là, on est en 4 places carte grise. 4 couchages, les ceintures sont derrière moi, juste là. On a le système donc de la banquette qui ici avec la table va se transformer en lit si on veut faire un lit bas. Et on a un petit fauteuil d'appoint, un petit strapantin d'appoint sur le côté. C'est ce qui fait aussi la 5e place carte grise quand les Autocamp XL sont en 5 places carte grise. C'est pas le cas de celui-ci. Après donc sur le côté, on va avoir la petite cuisine avec des rangements. Donc là avec des petits tiroirs coulissants, des petits casiers à bouteilles assez sympas. Un plan de travail plutôt généreux pour un van. Et après, l'évier, la plaque de cuisson, le feu de gaz. On a aussi quelques tiroirs de rangement sur la suite de la cuisine. Donc en termes de rangement, dans la partie avant, c'est plutôt sympa. On voit qu'il y a du volume là, il y a les tiroirs en dessous. C'est pas mal. Ce véhicule-là est monté avec un chauffage chauffe-eau au gasoil. Le Truma Combi D. Donc c'est un chauffage chauffe-eau gasoil donc qui va servir à chauffer le véhicule et à chauffer l'eau. C'est exactement le même modèle que l'on retrouve dans les camping-cars, que ce soit un petit ou un grand camping-car. Donc c'est un chauffage qui fait 4000 watts. Donc en termes de puissance, largement assez puissant pour chauffer le volume qu'on a ici. Donc la partie cuisine qu'on a vue au départ est le réfrigérateur.
Donc c'est un petit réfrigérateur à compression, 142 litres. Non, c'est une blague, hein. Ça fait 41 litres. Donc, dans les vannes, on voit souvent de toute façon apparaître soit des frigos type glaciaire, alors qui font quand même du froid, hein. C'est pas du froid glaciaire, mais ils souffrent surtout par le dessus, c'est pour ça qu'on les appelle type glaciaire, ou des petits réfrigérateurs comme celui-ci. 41 litres, c'est ce qu'on retrouve en moyenne dans les véhicules, entre 40 et 50 litres. Derrière, on a une partie électrique avec prise 220, prise 12 volts, prise USB. Le tableau de commande, donc ça, c'est exactement comme un camping-car avec le contrôle des niveaux, etc. Et au-dessus, le panneau de commande du chauffage, chauffe-eau, idem au camping-car, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La particularité de l'autocamp XL et son gros avantage, nous, vous avez vu, on vous a déjà présenté d'autres vannes, comme le Steel Van, donc on est distributeur de Steel Van et de Fonds Vendôme, donc c'est nos deux marques qui font du van à toit relevable. La particularité, la grosse particularité de l'autocamp, en fait, c'est la partie douche et toilette. Une partie douche et toilette, en fait, qui est vraiment très bien faite. On n'a pas un système de rideau comme on peut avoir dans les autres vannes, on a vraiment quelque chose de fixe. Là, je suis dans la douche. La douche qui fait aussi office de toilette, une toilette qui fait douche, si on veut. Donc, on a une petite porte coulissante. C'est comme ça, quand je suis assis, vous ne me voyez pas, ou en tout cas, vous voyez que ma tête. Le système de douche se fait dans la même partie. En fait, on va tout simplement utiliser le mitigeur, comme dans beaucoup de marques, qui a un système de tuyaux pour pouvoir se doucher. Donc, idéalement, en fait, on le fait assis pour éviter les projections d'eau un petit peu partout. Mais vraiment, l'avantage de ne pas utiliser de système de rideau, eh ben, c'est que le rideau, il faut le mettre. Si c'est des enfants, ben, est-ce qu'ils vont bien le mettre autour d'eux? L'eau va tomber pas forcément au bon endroit. Enfin voilà, peut y avoir des contraintes. Généralement, quand c'est juste deux adultes, c'est assez facile. Quand il y a des enfants, ben, en fait, ce système-là est plus facile parce que déjà, ils vont être plus petits, ils ne vont pas dépasser de la porte. Donc, on peut vraiment les doucher ici assez facilement. Donc, je vais vous montrer le toilette. Le toilette est un toilette Tedford. En fait, idem aux toilettes qu'on retrouve dans les camping-cars. C'est vraiment exactement le même. On va voir la cassette par l'extérieur tout à l'heure. C'est la même. D'ailleurs, tiens, pendant qu'on fait le tour du véhicule, n'oubliez pas, chose importante, abonnez-vous à notre chaîne, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mais vraiment, l'abonnement est ultra important pour nous, pour développer la chaîne, pour s'améliorer et pour vous proposer de plus en plus de contenu. L'arrière de notre autocamp XL, donc la vue sur les toilettes. Comme ça, s'il y en a un qui veut aller aux toilettes et regarder la plage à côté, il peut. Attention, les plagistes vont le voir aussi. La cassette des toilettes, on a dit, c'est exactement la même que celle des camping-cars. Et toujours avec ce fameux système de roulette. Si on veut prendre l'avion avec sa cassette, c'est possible. Hop. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve une trappe parce qu'on a une bouteille de gaz. Alors, bouteille de gaz qui sert uniquement sur ce modèle-là à la plaque de cuisson. On a dit le chauffage est au gasoil. Le réfrigérateur est un réfrigérateur à compression, donc il fonctionne uniquement aux 12 volts. Donc la bouteille de gaz alimente que ma plaque de cuisson. On a la batterie cellule, donc du coup batterie qui est fournie d'origine. Des fois on nous demande souvent, celle-ci elle est déjà dessus. Et un petit peu de rangement, on voit des parties électriques derrière, mais ici ça peut nous servir de rangement, un rangement un peu plus technique en tout cas. On a vu la cuisine, on a vu la partie technique, on a vu le toilette et la douche. D'ailleurs toilette et douche, je le répète, mais c'est vraiment le point fort de ce véhicule là. On va voir l'espace nuit et l'espace couchage. On a deux lits dans l'autocamp XL. On a un lit forcément au niveau du toit, vu qu'on est sur un toit relevable, et on a un lit qui se fait sur la position basse. Donc pour le lit en haut, il suffit de baisser, hop, comme ça, et de grimper en haut. On a même la possibilité de se donner un peu de lumière. Pour la vue, du coup, assez sympa. Dans l'autocamp XL, on dort dans cette position-là, tête vers là, tout simplement parce que c'est là qu'on a nos petits spots de lecture. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Voilà. Les dimensions du lit, on vous les met tout de suite, là. Je les ai plus de tête, mais à savoir que sur l'autocamp XL, c'est un gros atout, la largeur du lit en fait. Pour être moi-même utilisateur de van, à savoir que moi dans le mien, dans le style van, je suis sur une dimension encore plus moins large, plus petite.
Donc là, on a vraiment, voilà, même si je prends de la place, bon, je suis pas super méga costaud, mais on voit que j'ai de la place, sans problème. Et si on était à deux, il n'y a pas de souci avec ça, et même en termes de longueur. Je vais vous présenter le lit du bas, qui est pareil en termes de taille, est un lit plutôt généreux. Vous allez le voir, je vais le mettre en place et vous allez pouvoir vous rendre compte du lit et aussi de la facilité pour faire le lit parce que c'est pas ultra complexe, faut juste, il y a un ordre bien précis, il faut suivre l'ordre des choses. Je teste si le constructeur dit vrai sur la dimension des lits. Alors, en enlevant le coussin, je pense que c'est vrai. À savoir, donc le lit du bas, en longueur, il fait 1m84. Donc eux, ils considèrent en fait qu'ils enlèvent ce coussin-là, ce que j'ai pas fait pour le montage ici. Ils enlèvent ce coussin-là, donc ils gagnent un petit peu en longueur. Donc on fait 1m84 par 1m65, enfin 1m065 en termes de largeur. Et pour information, donc le lit du haut, tout à l'heure qu'on a vu, il fait 133, donc on est pas mal, ce qu'on disait en termes de largeur. Un lit standard, c'est 140, donc là, on est quand même très très proche du lit standard. Donc en haut, il fait 133 par 190 de long. Clairement, on peut dire que ce type de véhicule-là est vraiment fait pour une famille, donc deux adultes avec des enfants. Alors bien sûr, pas des enfants qui ont 20 ans ou pas des enfants qui font 2 mètres forcément. On serait plutôt sur des petits-enfants. Mais voilà, ça fait quand même un lit qui est plutôt, ou même pour un adulte en bas, ce qu'on disait, on a 1m84 pour 1m de large en gros, donc c'est vraiment, ça commence à être plutôt confortable. Et on a vu la facilité aussi à faire le lit, ça c'est important. Le lit du bas au final est pas très très difficile à faire, il se fait plutôt aisément. Donc voilà, c'est vraiment le véhicule familial, le petit van familial par excellence, l'Autocamp XL, avec ce côté lit facile à faire, ce côté toilette et douche. Assez sympa, assez facile. Donc maintenant que j'ai fait mumuse avec le lit, bah, je vais l'enlever. Je vais le redéfaire. Alors la partie porteur ou la partie motorisation, parce qu'on n'est plus vraiment sur un porteur comme on peut l'avoir en camping-car. Donc, on l'a dit en début de vidéo, le 2 litres 145 chevaux de chez Renault. D'ailleurs, c'est une nouvelle motorisation. Elle a changé en début d'année. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle on trouve assez peu d'autocamp XL sur les parcs en ce moment. Tout simplement parce que il y a eu les événements qu'on a connus, mais surtout il y a eu le changement chez Renault entre l'ancienne motorisation et la nouvelle, et du coup les véhicules ont pris un petit peu de retard. À savoir par exemple que chez nous, l'Autocamp XL, ce modèle là est le dernier. Une fois qu'on l'a vendu, il n'y en a plus, enfin, en tout cas pas sur la saison 2020. Il faudra attendre 2021. Donc le porteur classique, le trafic, climatisation, régulateur, limiteur, voilà, il n'y a rien d'extravagant dans le porteur. C'est quelque chose de plutôt bien fait. C'est sympa, le volant est sympa, la partie compteur, voilà, c'est du type automobile au final, il n'y a rien de spécifique. Ce qui vous intéresse certainement maintenant, c'est son prix de cet Autocamp XL. Le véhicule tel qu'il vous est présenté aujourd'hui, en termes d'équipement, d'options, etc., nous ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a juste mis en 145 chevaux, donc on l'a pris en motorisation 145. Il est en peinture métal, c'est les deux seules options que vous avez d'origine de la part enfin monté chez Fonds Vendôme plutôt. Il n'y a rien, on n'a rien dessus hormis voilà tout ce qu'on a dit, chauffage, chauffe-eau, tout ça, mais ça c'est d'origine hein, sur ce véhicule là, c'est pas rajouté. Le produit vous est présenté à 48 390, ça c'est son prix. L'Autocamp XL, enfin les Fonds Vendôme en règle générale, sur la partie toit relevable, sont des vannes à des tarifs tout à fait abordables. Alors 48 000 ça fait cher, hein, j'en conviens bien, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste, si on compare par rapport à la majorité des vannes qui existent à toit relevable sur le marché, d'autres marques, on est sur un super prix, on a un prix vraiment très bien placé. Bien sûr, nous quand on prend le style van, autre marque qu'on fait, on est plus cher, on est aussi sur un autre porteur. Donc ça c'est un choix de votre part. Moi ce que je trouve très intéressant dans celui-là, et j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est qu'on est sur
un van à un prix contenu, en tout cas, on peut dire, est vraiment le van familial par excellence. 4 places, 4 couchages, un toilette séparé, une douche sans rideau. C'est vraiment, moi je me vois bien partir à 4, en tout cas avec 2 enfants, on parle avec ce véhicule-là sans problème. Et autre preuve aussi que c'est un véhicule plutôt familial, l'Autocamp XL, les quantités d'eau. On est à 68 litres d'eau propre pour ce véhicule-là, alors que la moyenne des vannes tourne plutôt autour de 50 litres. Donc là, on a quand même une réserve un peu plus importante en eau. À l'intérieur, tout à l'heure, on a parlé un tout petit peu de la dimension extérieure. Là, faut suivre. Hein. Ceux qui n'ont pas suivi sont perdus. de la dimension extérieure, on est à 2,03 m sur ce modèle-là, par rapport des fois, alors les dimensions changent en fait, 2 m, 2,03 m, 2,05 m, c'est les tailles de jantes qui font aussi varier cette hauteur. Et souvent, on a les gens qui viennent nous voir et nous disent « mais moi je veux un van à 2 mètres » parce qu'on m'a dit que 2 mètres, ça passe partout. C'est vrai, c'est faux en fait. C'est faux tout simplement parce que la plupart des barres aujourd'hui ne sont pas à 2 mètres, mais à 2,10 m. Et là, je parle en tant qu'utilisateur, testeur, et je peux vraiment vous le confirmer, les barres, c'est 2,10 m. Généralement, les barres qui ne sont pas à 2,10 m, c'est même pas 2 mètres, c'est 1,90 m. Donc celles qui sont à 1,90 m, de toute façon, même si vous avez un véhicule à 2 mètres, vous ne passerez pas. Et d'ailleurs, là, on parle de van, mais à 2 mètres, les Peugeot, les nouveaux petits Peugeot passent pas non plus sans parler de van. Hein, et on a aussi le problème. Ne vous focalisez pas sur la dimension extérieure, en tout cas, ne vous focalisez pas au niveau des centimètres. 2 mètres, 2,03 m, 2,05 m, il n'y a pas de problème avec ça. Et voilà, fin de vidéo, on vous a présenté l'Autocamp XL de chez Fonds Vendôme. En tout cas, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo et on vous souhaite une bonne utilisation, un bon voyage. Bye bye.